Salut les filles et garçons, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo cardio intensive qui non seulement va vous faire transpirer mais va également vous muscler en même temps. Et oui, parce qu'on va faire des phases de HIIT évidemment comme toujours avec de l'explosif et du gainage entremêlé. Vous allez voir, on va s'éclater évidemment. C'est parti pour 30 secondes, on commence avec une petite course sur place. Donc là on s'échauffe tranquillement, on inspire, on souffle, on échauffe tout le corps. On est gainé toujours. On inspire, on souffle. Donc ça, c'est vraiment la séance parfaite pour se tonifier, pour perdre le petit gras superflu, les capitons et se galber en même temps. Allez, plus que 3, 2, 1 et on passe au sol. On passe maintenant à des pompes sur les genoux. Donc le but, c'est d'enchaîner le plus rapidement possible, évidemment. Donc on en fait 10, on descend bien bas et on remonte. On inspire sur la descente et on souffle sur la remontée. On lâche rien. Allez, 3, 2, 1. Et la dernière, on enchaîne maintenant avec des montées de genoux. Et c'est parti pour 30 secondes de montée de genoux. On donne tout, vraiment les genoux le plus haut possible. On inspire, on souffle, allez. On lâche rien. On inspire, on souffle. Allez, plus que 5, 4, 3, 2, 1. Et on passe au sol avec un gainage de face pendant 30 secondes. On lâche rien. On inspire et on souffle. On reprend son souffle. C'est la phase donc de récupération active. La fameuse. Ceux qui ont fait le BS4 se connaissent déjà, hein, ça. Il n'y a pas de problème. Allez, on lâche rien. Plus que 5, 4, 3, 2, 1 et 0. On remonte cette fois-ci. Qu'est-ce qu'on fait? On fait du talon-fesse. C'est parti. Là c'est pareil, on donne tout, on se repose pas. Hein. Les talons viennent toucher les fesses. On est gainé, on n'oublie pas de respirer. Allez, on lâche rien. Donc là, je vous présente un circuit qu'on va faire 3 fois. Allez. On lâche rien. Et allez, on enchaîne au sol avec du gainage cette fois-ci. De côté latéral, on est en position. On ne traîne pas, 30 secondes. On inspire et on souffle. On récupère. On est gainé, le dos solide, les abdos en place, le ventre bien rentré. On a les jambes strong. On lâche rien. Et alors après, je vous préviens, dans 3 secondes, on va faire des burpees, préparez-vous. Allez, c'est parti, on remonte et on saute. Paf, on enchaîne, explosif. Donc c'est des burpees simplifiés pour la vidéo, évidemment. On lâche rien. Oups. Allez, le dernier. Et cette fois-ci, on va faire du gainage latéral. Vous avez prévenu, cette vidéo, elle était high intensity. Hein. Allez, on lâche rien. On inspire et on souffle. 30 secondes de récupération active. On est essoufflé là. Hein. On lâche rien. On va bientôt enchaîner sur des jump squats. Si, si. Allez, 5. 4, 3, 2, 1, on se relève, on ne traîne pas et on enchaîne immédiatement sur 30 secondes de jump squat. On inspire et on souffle à la remontée. Allez, on lâche rien.
Allez, hop, et le dernier, on relâche et on se positionne maintenant pour faire les fameux commandos. Vous êtes en position, c'est parti, on en fait 10, on descend et on remonte. 2, 3, 4, 5, on change de bras, 6, 7, 8, 9 et 10. On remonte, on reprend son souffle quelques instants, profitez-en pour boire, c'est important. Allez, on a récupéré, on va enchaîner de nouveau avec un deuxième circuit, donc la course sur place, c'est parti pour 30 secondes. On inspire et on souffle. Allez, on lâche rien, plus que 5, 4, 3, 2, 1, et on passe au commando, pas au commando, aux pompes, pardon. Le commando vient de les faire, peut-être pas abuser. On se positionne au sol, on descend et on remonte. On en fait 10, 2, 3, 4, 5, 6, on n'oublie pas de respirer évidemment, 7, 8, 9 et 10. On se relève et on va passer au montée de genoux. C'est parti, 30 secondes. On donne tout. Allez, on lâche rien. On inspire et on souffle. On est gainé au niveau des abdos, des bras, des épaules. Allez, on lâche rien. 5, 4, 3, 2, 1, on se relâche et on va passer au sol avec le gainage, 30 secondes, c'est parti, on inspire et on souffle, récupération active, on lâche rien, c'est pas facile, ce deuxième circuit il est dur, mais c'est pour la bonne cause, on a envie d'être bien dans son corps et bien dans sa tête surtout. On donne tout, c'est difficile, vous allez voir après la séance à quel point vous allez vous sentir bien, vous ne regretterez pas. Alors surtout, on ne lâche rien et on tient. Allez, plus que 5, 4, 3, 2, 1. On se relève et on passe maintenant au talon-fesses. C'est parti. 30 secondes également. On inspire, on souffle, on donne tout. Allez, on inspire, on souffle, on va ensuite passer sur du gainage à nouveau, latéral. Allez, plus que 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on passe au sol. On se positionne. C'est parti, 30 secondes, récupération active. Il fait beau, c'est bientôt l'été, on inspire et on souffle, on pense à la plage, aux vacances, au bikini, c'est le moment de tout donner, allez, on lâche rien, allez, plus que 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on enchaîne avec les burpees. On saute en étend les jambes, on respire. N'oublie pas. Allez, on lâche rien, c'est difficile, on a fait la moitié de ces burpees, de l'enfer. Allez, c'est dur mais ça brûle des calories. Allez, on lâche rien, plus que 3, 2, 1, et le dernier, on repasse au sol, cette fois-ci avec le gainage de l'autre côté, c'est parti,
inspire et on souffle. Après ça, préparez-vous mentalement. Et jump squat qui arrive. On lâche rien. Allez. Plus que 5, 4, 3, 2, 1. On prend, on se relève et on enchaîne immédiatement. C'est parti, de l'explosif. On souffle. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et on se positionne à nouveau pour les commandos. On va en faire 10. Est-ce que vous êtes prêts? Les commandos, c'est horrible. Mais c'est la fin. Donc on les fait presque avec plaisir. C'est parti. 1, 2, 3, 4. 5, on change de côté, 6, 7, 8, 9 et 10, on se relève, on se repose à nouveau quelques instants, on boit et on enchaîne un troisième et dernier circuit. On recommence avec 30 secondes de course sur place, c'est parti. On inspire et on souffle. Au début de la séance, on se dit ça va, c'est easy, tranquille, 30 secondes par-ci, 30 secondes par-là. Ouh là là. Allez, on va maintenant passer au sol. On enchaîne avec les pompes sur les genoux ou sur les pieds, hein, si vous êtes une warrior des pompes, il n'y a aucun souci. C'est parti, 10 reps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On repasse en haut, comme vous le savez, avec des montées de genoux. C'est parti. 30 secondes, on donne tout. Comme je vous le disais au début, on croit que c'est facile et puis à la fin, on finit mort. Allez, c'est ça qu'on veut. Alors on donne tout. On inspire et on souffle. On n'oublie pas de respirer sur cet exote. C'est ultra important. Allez, plus que 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche, on passe maintenant. Comme vous le savez, au sol, avec le gainage de face, on se met en position, c'est parti. Le bassin bien rentré, solide, on a les abdos en feu, les épaules qui brûlent, on est essoufflé, on en profite pour respirer. C'est la phase de récupération active. Allez, on inspire et on souffle, ça va passer vite, il ne reste déjà plus que 10 secondes. Allez, on inspire, on souffle. Plus 3, 2, 1 et 0. On se relève et on va passer au talon-fesses. Vous êtes prêts et prêtes? C'est parti. 30 secondes. Allez, on donne tout. Avec le sourire toujours. On est content d'être là ensemble ce matin. Soit le matin d'ailleurs chez vous ou le soir, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça après la séance de boulot. On se défoule justement, on élimine toutes les mauvaises ondes de la journée. C'est votre moment pour vous faire du bien. Alors on lâche rien jusqu'au bout et on termine avant de passer au gainage latéral. On se positionne, hop, 30 secondes, c'est parti. On inspire en dessous. On gagne ses abdos, son dos. On lâche rien.
Allez, plus que 5 secondes. On arrête et on se relève. On va maintenant passer aux burpees, les fameuses. Vous êtes prêts, prêtes? C'est parti, on saute et on étend ses jambes. Explosif. La fin de cet enchaînement est mortelle, mais c'est bientôt la fin de la vidéo. On lâche rien. Allez. Plus que 5 secondes. Et on relâche. On va maintenant se positionner au sol pour le gainage latéral de l'autre côté. Vous êtes prêts et prêtes, c'est parti. 30 secondes. On inspire. Je fais 10 secondes. Trois, deux, un, et on relâche. On passe maintenant, comme vous le savez, au jump squat. Mais c'est le dernier superset. C'est parti, 30 secondes. On lâche rien. Allez, on donne tout. Explosif, on a les jambes qui en peuvent plus, pas grave, c'est au mental. Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. On arrête, on se positionne pour le dernier DDR. Allez, ça va être les commandos, les fameux, on en fait 10. On est en position, c'est parti. 1, 2, 3. Voilà les filles de gens, on a enfin terminé cette séance ultra intensive de cardio et renforcement musculaire à l'aide notamment de gainage. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez bien transpiré. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement sur ma chaîne avec une nouvelle vidéo fitness. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt.